Voilà, il y a du monde dans la maison. Est-ce que je te paye un petit jus? Ben un peu, je suis venue pour ça, ma fille. Ah bon, t'étais venue pour me voir, mais... Bah aussi. On se fait toujours des illusions. Ouais. Tu te souviens quand je t'ai dit que j'aurais éventuellement une lettre pour quelqu'un des monts du Lyonnais? Ouais, tu veux me faire monter. Et je t'ai dit, bon, je te le dis, mais c'est un peu idiot, parce que c'est un tout petit patelin. Et tu m'as dit, ben, dis-moi le nom. Oui. Je t'ai dit Brulliole. Oui. Tu m'as dit, j'y passe. Bah oui, puisque tu m'as dit que tu me donnais un courrier, j'y passe, moi, c'est tout. Non, tu passais, tu m'as dit, j'y passe. Bah... T'y passais ou t'y passais pas? Mais non, c'est parce que tu me donnes un courrier que j'y passe. Donc j'y passe. D'accord, mais alors il n'est pas fait. Oh. J'avais pas compris que tu venais le chercher maintenant. Bon, ben, je reviendrai la semaine prochaine, mais c'est le dernier délai. Hein. La semaine prochaine, je te promets, tu vas avoir un tout petit courrier. Voilà cette lettre. C'est uniquement du jeu, hein. C'est juste du jeu. On est d'accord. Régis. Bon. Il y a même son téléphone, bah il y a tout. Hein. J'arrive avec une lettre, je lui dis. Une lettre de Jacqueline? Je dis quoi? Non, tu dis. C'est marqué derrière. Tu peux dire que t'as une lettre pour lui, c'est tout. Une lettre pour lui, d'accord. Puis tu regardes sa tête. Bon, bah, écoute, je me réjouis déjà d'arriver là-bas. Bonjour. Quand j'ai fini de bosser, c'est la retraite, qu'est-ce que je fais? Il fallait comme que je balise cette entrée-là, je me dis, il faut que je fasse un voyage, ça c'était l'idée. Mais mon habitude de voyager en vélo m'a montré que la destination n'est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est le voyage. C'est pas moi qui ai inventé ça, tout le monde l'a dit. C'est le chemin qui est intéressant. Comment je fais pour que je me centre sur le chemin et non pas sur une destination? Donc il faut que je me dessaisisse de l'endroit où je vais. Il faut que je le confie à d'autres, c'est pas moi qui en décide. Dans le courrier, j'ai commencé par dire que tu avais été mon professeur et qu'en plus, depuis que je suis rentrée au collège, je pense qu'on s'est toujours croisés, finalement. Mmh. Et du coup, je sais pas, il y a une relation de confiance aussi. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très sauvage, donc tu vois, j'aurais pas donné... Même en sachant que la personne n'allait pas l'ouvrir et tout, c'était important que j'investisse le messager aussi. Vincent, il fait le facteur, mais à vélo. Avec mon vélo, j'emmène les courriers. Ça me fait très plaisir d'avoir des anciennes élèves et associées qui contribuent parce que, je sais pas, c'est comme une... Transmission. Comme une transmission. Hein? Encore une tour de construction. Encore une tour de construction. Allez, en haut, c'est parti, mon kiki. Allez, voilà, on est parti. Oui, il est là. Je suis le grand-père d'Arsène. Tu sais que je suis le grand-père d'Arsène? Oh, ouais. Michel? Voilà. Ah, tu l'as. Super. Bon, pour l'honneur, je commence sur Saronne. Ok. Et il y a une histoire de sculpture. Oh, allez bien. Les Albiens. À bientôt. Je lui envoie des mails, mais à la lettre, j'ai pas dit la même chose. Les deux qu'on te donne, il y a de fortes chances que tu vas pas les trouver chez eux. Je chercherai. Mais Reto, il est quand même chez lui. Tu vois Reto dans son immeuble au sixième étage du Carrouge. J'attendrai un peu. Ça, c'est son téléphone. D'accord. Ouais, hein, t'as vu. Hein. C'est la grève des sans timbre, évidemment. Hein. Sans timbre, on va s'en passer. En fait, Redon, c'est dans le sud de la Bretagne.
Un jour, bah, quand j'ai croisé Marianne, quand j'avais un peu plus de 20 ans, j'ai choisi d'être là. Je sais pas s'il y a beaucoup de territoires où j'aurais pu trouver autant de courriers, par exemple. Aussi facilement. Que les gens aient envie de m'en donner. Et qu'ils se disent pas qui c'est Stolybrius, là. Non, ici, il y a des liens entre les personnes qui permettent ça. Ces liens ont permis que je conduise un projet qui me rende aussi joyeux. Il y en a qui ont un vrai désir d'écrire des trucs. Hein. C'est, finalement, si je leur propose, je vois bien que ça marche. Hein, avec, je sais pas, des émotions hein, dans les lettres, hein, c'est sûr. Hein, c'est vraiment... Et moi, ça fait ma route. C'est mon hasard. C'est mon hasard et après, j'organise parce qu'il faut que je tienne ma parole. Bourg Saint-Christophe. Deux Bourg Saint-Christophe. Ah oui, c'est vrai. Bourg Saint-Christophe. Suisse, Genève. Non, Lausanne. Mais regarde, Arsène, c'est bien, c'est la balle. VV, c'était un Lausanne détourné. Ils me disent Lausanne, mais quand ils vérifient l'adresse, c'est VV. Ah, oui. C'est pas au même endroit. Lausanne, qui est en fait VV. Alors, vu d'ici, c'est la même chose. Et voilà. Je pense que Vincent aime bien avoir des idées un petit peu innovantes. Il y a le théâtre, il y a eu les voyages en Roumanie avec les élèves, il y a eu pas mal de choses, même dans le sport et tout ça. Tu le vis à fond, tu pratiques à fond, et puis après, il y a autre chose. Et maintenant, c'est le paradoxe, je suis à un âge où maintenant je vis les choses à fond, lentement. Je crois que c'est ça. Ouais, mais ça reste, l'intensité, elle est aussi forte, quoi. Non ? Ah bah, c'est même plus fort. Voilà. Alors, j'ai un grand trou, je vais avoir une grande traversée du désert, là. Ouais. En total, j'ai 4 jours de vélo avec un courrier. Attends. Par contre, après, c'est dense, hein. Ouais, après, ça se densifie. Et puis, j'arrive en Suisse avec mes 18 courriers. Et t'as de la pente, là ? J'ai peur d'avoir un peu de montée, ouais, pour arriver là. Approche de la ville. Gaudière. C'est Gaudière là-bas. Bonjour. Bonjour. Je cherche Enora Palvado, les Gaudières à Maitrey. Mais numéro combien ? J'ai pas de numéro, c'est ça qui est bête. Peut-être dans les maisons là-bas où il y a le portail. Ouais, je sais que pas. Tu tournes. Là-bas, il y a une dame qui a plein de chiens qui n'arrête pas d'aboyer. Mais elle a quel âge cette dame à ton avis ? Elle est âgée ou pas âgée ? Je sais pas. Pour moi, c'est quelqu'un qui a 30 ans à peu près, je crois. Une jeune fille de 30 ans, ça pourrait être éventuellement dans les maisons, ouais. Dans la grande maison qui est juste au carrefour là. Là-dedans, je sais qu'il y a de la colocation, donc peut-être. Je vous remercie vraiment.
Quoi? Bonjour. Tu me reconnais? Oui, tout à fait. C'est incroyable. Pas pour moi aussi. Enfin non, pas tout à fait. Ah. J'ai quelque chose pour toi. Oh là là. Merci. Ah, c'est ma sœur, ça, je connais son écriture. Génial. Il y a un peu de mal à trouver. Ouais, là. C'est pas simple. Il y a tu n'auras pas de mal à trouver, tu sais. J'ai jamais autant parlé, mais je t'embrasse. Bah oui. Bah merci. C'est incroyable. On s'est connus au collège. C'est ça. Je t'ai pas vu depuis. Vous voulez rester un peu? C'est possible. Bah oui. Mon stock de courrier. Et comment tu atterris ici? Bah alors ça c'est complètement par hasard. Mais en fait j'ai fait une formation en traction animale et en débardage. C'est super comme boulot. Et ici il y avait une commune d'à côté qui cherchait quelqu'un pour la commune en attelage pour emmener les enfants à la cantine. J'ai aussi des poulaillers dans les écoles et des daims. À gérer. Voilà. Et c'est un quoi comme cheval? C'est un percheron. Ah, il y a un gros quand même. Oui, c'est un gros. Ça fait envie. Ouais. Plutôt de voir les camions passer, de voir les chevaux passer devant chez toi, c'est quand même bien, non? Les enfants, ils sont super contents et tout. Bonjour. Bonjour. Vincent. C'est Quentin, mon colocataire. Bonjour Quentin. Alors Vincent, c'est quelqu'un qui était prof, c'est ça? Je sais plus de quoi. Je travaille à la SECPA. Ah ben voilà. À Redon, d'où je viens. Il fait des tours de France avec des courriers, puis il va les distribuer partout à vélo. Et tu savais que t'allais avoir un maître ou pas? Ah, pas du tout. Ah, non, c'est la surprise cool. De but, c'est ça. Elle a l'air d'être. Oh là là, oui, il y a du monde là. Elle a écrit un roman. Ah oui, carrément. Oui. On sait pas encore. Okay. On est ouvert. En fait, déjà on est là, on va prendre le temps d'être là, je pense. Après, on va chercher un hébergement. Ouais. Ouais, mais ce serait cool que vous restiez là. Enfin, on a nous, tout ce qu'il faut ici, donc c'est cool. Quoi. Bon, c'est gentil, merci. Dans le quotidien, on est encombré avec tout un tas de trucs qui font que on dit beaucoup de choses qui sont un peu encombrantes et masquent en fait le fait qu'on s'aime en fait. Et là, le courrier, tu peux pas t'emmerder avec les trucs encombrants. Je te remercie. Tu peux pas dire passe-moi le sel, qu'un intérêt. Tu dis pas ça. Quand tu prends ton courrier, t'es débarrassé de ces scories-là, tranquille, tu peux vraiment dire. Au fond, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, t'es débarrassé des mots du quotidien et tu peux aller au mot de l'essentiel, quoi. Monde sans trêve, qui crève, qui rêve, dans ce monde, en émoi. J'ai pris la route droite,
la route défendue. La route maladroite dans ce monde tordu. En allant tout droit, tout droit, tout droit, je me suis retrouvé derrière moi. Qui erre, qui espère dans ce monde de mystère. Qui erre, qui espère dans ce monde d'ennui. Merde! J'ai pas mis la rondelle. Elle est par terre, cette... Merde. Non, j'ai rien. On est dans un conte. On est dans un conte... Alors après, sur ce chemin, voilà, il y a... Il peut se passer des trucs incroyables, mais des fois, il y a des gens qui aident et il y a des trucs qui perturbent. On résout le problème. Alors, le problème dans un conte, c'est qu'il y a une quête. Je sais pas... quelle est ma quête? La quête, c'est peut-être d'être vivant, en fait. La quête, c'est d'être vivant. La chaussée Saint-Victor. 10 km avant peut-être, même des fois plus, je commence à penser à mon truc. Déjà tout ça là, une espèce d'apéritif quoi. J'ai des représentations, je me fais des images avec ce qu'on m'a dit de la personne chez qui je vais aller. Je connais la personne qui m'a donné le courrier. J'arrive, ça se passe pas du tout comme j'ai prévu. Et c'est trop super à chaque fois, enfin... Même quand des fois ça frotte, parce que des fois ça frotte, hein. Mais même quand ça frotte, c'est vraiment drôle, quoi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez Michel Payat. Oui. Ben, j'ai un courrier à vous remettre. En main propre, ah bon? De la part d'Hubert Moisan. Oh, bah alors. Vous venez de Redon? Oui, pas aujourd'hui. Non, bah je me doute, hein, parce que je fais du vélo. Donc, oui, je sais que vous en faites. C'est bien. Donc voilà, un courrier avec des petites choses, je crois, qui vont vous intéresser directement. Oui, oui. Et en fait, voilà, bah, le courrier, il faut commencer par ça. La prochaine fois, il faut que vous... Enfin, il n'y aura peut-être plus jamais de prochaine fois. Mais bah, c'est vrai, vous n'aviez pas mon numéro de téléphone? Si, il est derrière. Mais après, c'est un pari que je fais. On devait arriver un peu plus tôt. Mais bon, j'ai eu de la casse, pareil, ça y est, on s'en sort à peu près. Mais bon, c'est pas très... On a des solutions, puisqu'on a de quoi dormir, en camper, enfin, on voyage, on regarde ce qui se passe. Normalement, non, on a d'autres choses de prévues, mais bon... À quelle heure? Hein? Non, mais on doit aller à Tours. Donc. Ah, vous allez à Tours? Bon. Ouais. Et là, eh ben, vous avez déjà le courrier. Bah oui, c'est bien, c'est sympa. Bah... C'est bien. C'était nos instits, ça. C'était vos instits? Ouais. Le CE1, le CE2 et le CM. Voilà. D'accord. Encore, je me souviens de ça. Oh là, là c'est des filles, là. Au second rang, et Juliette Mazon, qui était ma maman. Et donc, oui. C'est une surprise. Ah, venez, vous avez bien mérité vos réponses, quand même. Bah, avec plaisir. Ouais. J'étais muté à Angers. Après Angers, j'ai fait Blois. Après, j'étais à Romorantin. Puis pour mes dernières années de carrière, ils m'ont envoyé à Fontenay-le-Comte. Ah, il y a du monde qui arrive, qui se demande qu'est-ce que c'est que ces vélos bizarres dans l'entrée. Oui, ah oui, sûrement, oui. Ouais, on va lui poser la question, on va lui demander alors qu'est-ce que c'était. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bon.
Non, tu dois me demander, hein. Oui. Bah, Vincent est venu nous apporter un courrier de la part de Hubert. Bon alors, c'est pas vrai, ça. Où est-ce qu'il a eu cette photo-là? Oh là là. C'est quand même des anciens qui nous ont marqué, ça. Là. Pourquoi il marquait? Parce qu'ils avaient une personnalité. Personnalité, Henri Nouvel, je vais pas vous dire son surnom parce que c'est pas beau. Ah bon? J'aimerais bien le savoir pourtant. Franchement, maintenant c'est trop tard, faut me le dire. Hein. On l'appelait Chichi Gazeux. Chichi Gazeux. Vous ne demandez pas pourquoi? Non, j'oserais pas. Mais ah, c'était pas comme aujourd'hui, hein, les parents n'avaient pas le droit de rentrer dans la cour d'école pour réclamer quoi que ce soit. Hein. Vous l'avez connu aussi, cette époque-là. Bah, j'ai traversé les époques dans l'école un peu, parce que moi, je suis né dans une école, carrément. Ah oui, alors en plus. Donc. Quand je viens avec mon espèce de clown facteur, je sais pas quoi, là, je suis improbable. Je suis trop improbable quand j'arrive. C'est assez bizarre, hein? Comment ça fonctionne? Au premier contact, si tu écoutes que ce que tu vois en surface, tu te dis, bon, bah, ça va être vite fait, et puis voilà, je vais donner un message. Ah non! C'est vraiment pas ça, quoi. C'est très rare comme ça. Dans la vie civile, on a tout un tas de masques et de machins qui tombent jamais. Et qui, au contraire de nous faire entrer en relation, nous empêchent d'y entrer, quoi. Et là, c'est un petit personnage qui permet d'entrer en relation. Voilà. Je suis mobilisé pour garder l'équilibre. Parce que quand ça part, autrement, pouf. Ah, c'est sympa. Nous, on trouve que c'est le plus beau. Le plus beau, quoi. Ah ouais. Vous prenez la première à droite, hein? Oui, en fait, il me propose... Lui, il m'a calculé par là. Voilà, ben moi, je vous laisse là. Ah ben, écoute, Marie-Annick, c'était un bonheur. Ben, c'était un plaisir pour nous. Hein, une surprise, mais une belle surprise, donc voilà. Bon, ben, tant mieux. Et puis, ben... À une prochaine. Un jour, vous repassez. Ouais. Ben, puis on se verra peut-être à Redon. Ça, c'est pas improbable. Ce serait sympa. Ah ben, tout à fait. Et puis, je porte ton courrier à Chantal, pas de problème. Allez, à bientôt. Surpris. Bonjour, j'ai un courrier pour vous de la part de Gilles Dano. Je l'adore, ce Gilles. Bon courage, bonne journée. J'ai un courrier pour vous de Agathe et Nicolas. Bonjour. Ah, voilà un petit courrier. Un petit courrier. C'est formidable, ça. Je reconnais l'écriture. Il est habitué, c'est...
Bon, on va bientôt sortir du bois, j'espère. Ah, ah. Sur la boîte. Alors, on va chercher. Bonjour. Je suis à la recherche de Véronique et Pascal Goubert. Eh bien, vous y êtes presque. J'y suis fait, presque. C'est la maison là-bas. La maison là-bas. Ouais. Ben merci de votre renseignement. Plaisir. On s'arrête pas parce qu'en fait les moustiques ici sont. C'est vrai même avec cette température. Ben oui, je trouve. On vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir. Et ben, bonne continuation. Merci. Ah, il y a des chiens. Oh, bah oui, bonjour. Plus de chiens que d'hommes. Bon. Nos destinataires sont absents. Alors, je me posais une question. Comment ils vont revenir ? Mais est-ce que vous échangeriez deux tasses de thé contre des petites histoires ? Eh ben, j'étais justement en train de dire à mon petit camarade que j'avais pas de café, mais que j'avais du thé à vous proposer. Ah, c'est extra, c'est extra. Du coup, c'est avec plaisir. Ah ben, c'est réciproque. Ben, je vous en prie, venez. En route. Thaïs, je crois que vous ne savez pas ce prénom. C'est pas très commun. Ça vient d'où ? C'est grec. Grec ? Ouais. D'accord. Et la maison là était construite par, je crois, les grands-parents de mes grands-parents, qui ont fait construire en premier cette maison-ci. Ouais. Et Pascal et Véro, en fait, c'est mon oncle et ma tante. D'accord. Et donc, on a une chance de voir Pascal et Véro ce soir, normalement. Oui, oui, oui. Et vous organisez comment pour l'hébergement ? Vous arrêtez J'ai une tente. À un moment donné, j'ai une tente. Ouais, je suis autonome, donc quoi qu'il arrive, je trouve une solution. Je suis assez souvent hébergé. Mm-hmm. Finalement, j'arrive avec des courriers importants, mais pas urgents. C'est un sésame. Donc voilà, voilà l'histoire. Ça, c'est la grande histoire. Enfin, c'est le fil rouge. Oui, de y avoir... À chaque courrier. Un paquet, du coup, de petites histoires. À chaque courrier est une histoire. Est-ce qu'il y a un espèce de quotidien qui se crée tous les jours avec le VO et puis le fait de rencontrer des gens comme ça, tout le temps différents? Ouais, je finis par avoir des routines. Ouais. Il y a quelques règles. Par exemple, il y en a une qui est simple. C'est une règle qui consiste à dire oui. À tout? Ouais. Ouais, il faut dire oui, en fait. Si on dit oui, ça se passe bien. Et quand je rencontre des gens qui disent oui, et si ça a l'air d'être une maison où on dit oui, ben... Ça se passe toujours bien. Ça se passe bien après, c'est sympa. C'est une petite règle de théâtre, en fait. Si vous voulez faire du théâtre et que vous voulez construire des choses, vous dites oui à ce qui se présente. Vous ne savez pas ce qui va se présenter le matin, mais ça va se présenter. Vous dites oui, il va se construire quelque chose. Et si vous faites de ça une petite règle de vie, c'est pas mal. Ça marche bien. C'est difficile dans la vie, hein, tous les jours. On a tendance à dire non. Moi, je suis un homme qui dit non, hein, aussi. Mais voilà. Dans cette tournée, j'apprends à dire oui. Mais voilà. Ah, il y a des chiens, toujours. Bonsoir. On leur fait peur. Ouais. Je suis bien chez Pascal et Véronique Goubert. Oui. On m'a remis ce courrier à vous donner. Et vous êtes ? Je m'appelle Vincent Berthelot. J'arrive de Redon. C'est pas de Redon ? Oui. Berthelot, mais je... Ça vous dit rien ? Je connais des Berthelot, je suis nantaise. Ah oui, bah c'est pas surprenant. Je suis juste un messager, dans l'occurrence. Michel. Ah, Michel ! Ah ben oui, avec ça, voilà. Allez, allez-y. Bon, on va juste calmer les chiens. D'accord. Bonjour les chiens. Vous êtes sages. Bonjour.
Non, rentrez et on va refermer la porte. Allez-y. Elle est jeune et peureuse. Je vais la laisser vous sentir. Allez-y. Merci. Allez-y. Asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de beau, ce cher Michel ? Je ne sais pas, moi je suis que le messager. Hein. Que le messager. Je ne peux pas... Mielouch. Non, tais-toi. Mielouch. Tu sautes par-dessus, là ? C'est trop silencieux, ça te fait peur. Monte là. Ah, il faut qu'on parle, là. En fait. Il faut qu'on se parle. Tais-toi. Non, quand on parle, c'est mieux ? Oui... Ah, est-ce que c'est mieux quand on parle ? Tais-toi. Ça doit l'inquiéter, ce silence. Oui, c'est rien. Bonsoir. Alors, monsieur est facteur temporaire et il nous a apporté une lettre. Bonsoir. Vincent. Bonsoir. T'es perdu, hein. Mais oui. Vincent est parti il y a 9 jours de Redon et il s'en va jusqu'en Suisse. Génial, ça. Et le plus rigolo, c'est qu'il s'arrête à Vevey. Eh ben oui. Mais j'allais dire que s'ils allaient en Suisse, vous serez bien jusque là-bas. Eh ben ils y vont. De toute façon, ils y allaient. Ils avaient déjà une lettre déposée à Vevey, dit-il. Ah ben là, c'est sûr que ça va être estomacant, là, comme... Estomacant ? Ah, j'avais pas entendu encore. Ben oui, estomaquer, c'est vous dire que ça veut dire. Dans le monde d'aujourd'hui où tout va vite, utiliser un système à vélo, comme ça, le facteur. Plutôt archaïque, c'est génial. Du bar où ils travaillent. D'accord. Je vous la donne, avec tous nos bisous pour eux. C'est le blabla, alors faut que j'en mette plus quand même. Alors que j'en mette plus... J'ai pas l'adresse. Non, mais faut que je mette Vevey. Madame, bonjour. Je cherche l'auto-école qu'il y a ici dans la rue, là. C'est de l'autre côté. Oui. Je redescends là-bas, ouais. 200 mètres après, sur votre droite, vous avez Beaucréno. Parce que c'est pas grand, hein, c'est un tout petit magasin. C'est un tout petit magasin. À côté d'un salon de toilettage. Oui. Je vais pouvoir y passer, alors. Merci, messieurs, dames. Bonjour, je suis un messager à vélo, je transporte des courriers importants mais pas urgents et j'en ai un ici pour Erika Sielka. Alors la
n'est pas là, mais je peux lui prendre, Et c'est possible de le lui remettre en main propre pour moi? Ça va être... J'ai le temps, j'ai beaucoup de temps. Ouais, mais je suis pas sûre qu'elle va venir aujourd'hui. J'irai chez elle. Elle habite plus... Vous lui dites que c'est un courrier de sa sœur, Nathalie. Les cas, j'ai un monsieur qui est à l'auto-école qui voudrait te remettre en main propre une lettre de la part de Nathalie, ta sœur. Ouais. Je sais pas, il a une enveloppe et je peux pas la prendre, il veut te la remettre en main propre. Vous pouvez la regarder, hein. Voilà. Ok. Vous pouvez me regarder derrière. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Erika, je suppose. Oui. Je suis un messager. D'accord. En vélo, avec ce vélo-là. Et j'amène des messages importants, mais pas urgents. D'accord. Et j'en ai un de Nathalie, à vous remettre. Ça marche. Merci beaucoup. Ah non, c'est un plaisir. D'accord. C'est quoi alors la démarche? C'est de la poésie. De la poésie? Ben oui, d'emmener des courriers en vélo aujourd'hui, c'est de la poésie. Voilà. Ben, c'est une belle surprise. Vous pouvez mettre votre vélo devant, c'est la maison qui est là. D'accord, alors ce que je vais faire, je vais l'attacher quand même et je vais aussi prendre tous les courriers parce que sans ça, je n'ai plus de raison de voyager. Les courriers sont là. Bonjour. Marie. Messager. Enchantée. Moi aussi. Messager. Voilà. Messager. Je te laisse regarder un petit peu, je voulais être avec toi pour l'ouvrir. C'est un courrier de Nathalie, d'accord. Ce monsieur a pris des courriers et donc du coup, son trajet se fait grâce au courrier qu'il suit, qu'il amène. Voilà. Et la route, c'est toute la route jusqu'en Suisse. Et j'ai distribué des courriers en Suisse. Eh ben dis donc. Lausanne, Fribourg. Non, je suis de Bretagne. Enfin, je connais Nathalie. D'accord. Elle est mon ami Vincent quand même. Il faut mieux que tu fasses comme ça que tu ailles vers le haut. Ah oui, j'ai pas envie de l'abîmer. Ah ben je comprends, j'ai pris soin d'elle. Une grande lettre, là, Alors, t'as vu, elle a écrit... derrière, elle a écrit... Souvenir d'enfance. Forgeant l'existence. Ça, c'est pour toi. Une carte rien que pour toi, Marie, pour te dire merci de chérir ma petite sœur et de ta bonne humeur dans la famille. C'est une sacrée lettre, hein. Faut la lire, la tête reposée, peut-être. Ouais, je vais prendre le temps de la lire. Je suis contente que ça nous soit adressé. La communication étant pas toujours facile, en fait, en dehors de... Bah alors, mon petit cœur. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait la route jusqu'ici. J'ai hâte de lire la lettre, mais en fait, je pense que c'est la première lettre que ma soeur m'écrit. J'ai 35 ans, donc voilà. Mais je crois qu'il y avait déjà eu d'autres lettres dans l'histoire. Mais peut-être qu'elle en parle, mais elle m'en a parlé, moi, c'est pour ça que je sais. Peut-être que... Ah oui. Oui, c'est vrai, en fait, c'est moi qui lui ai écrit une lettre, je pense. Je pense que c'est ça. Ouais. C'est moi qui lui ai écrit une lettre il y a 20 ans. Du coup, à peu près, comme ça. Ça doit être ça. Et donc du coup, au final, elle m'a dit qu'il y avait des choses qu'elle avait comprises, mais avec le... Recul. Avec le recul, ouais. Avec le recul et... On n'en a pas trop parlé, c'est pas toujours facile, en fait. On est nombreux et quand on se retrouve, en fait, de famille... Ouais, c'est... La parole peut pas... Il y a des choses dont on parle pas et puis des situations dont on n'a pas envie d'arriver, donc... C'est plus intime que ça, et du coup, je pense que le courrier fait que ça va permettre effectivement de se poser et de lire les choses et peut-être de les comprendre en tout cas. Ouais. Voilà. Je savais qu'il était chargé. Ouais. Il était lourd dans ma sacoche. C'est pour ça que je suis touchée aussi. D'amour et d'émotion, de plein de choses. C'est super ce que vous faites. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. La terrasse, on va se mettre dehors, on va boire un verre avec eux. Alors là, ça reparle parce qu'on est quand même bien venu dans la fierté, donc vous pouvez...
tout, je crois, c'est quand les gens réussissent à renouer, à retisser les choses qui avaient un peu été distendues. C'est souvent à l'intérieur des familles, parce qu'on sait bien que c'est souvent là qu'il y a des ruptures douloureuses, mais ça peut être dans d'autres espaces. Ou des distances qui sont difficiles à vivre, ou des choses comme ça. Si les gens réussissent à reconstruire quelque chose de mieux, c'est sympa quand même, parce que dans une vie, on est quand même tous dans une recherche de consolation, quand même, tout le temps. Ça, on est inconsolable, mais on recherche toujours cette consolation. Moi, sans doute aussi, j'ai eu besoin, comme tout le monde, voilà, dans nos histoires, on a tous des choses à consoler. Et en fait, il y a eu plusieurs lettres dans ma vie qui ont été des lettres marquantes. Il y en a eu plusieurs. Bonjour madame, monsieur Berthelot, je viens visiter madame Monique Thibault. Je cherche ma tante, mais elle doit être dans sa chambre peut-être. Ah ben, si c'est votre tante, alors faut bien la chercher. Hein. Ben, il y a intérêt, c'est même ma marraine, alors vous imaginez, j'ai pas intérêt à la rater. Hein. Ah ben oui, parce qu'après... Hein. Surtout que je suis venu en vélo de Bretagne pour la voir. Oui, c'est d'accord. 224, 223, 221. Voilà. Bonjour, Vincent. Ma tante. Voilà Vincent. Bonjour Monique. Tu t'es débrouillé. Ben ouais, tout seul Michel. Comme un grand. Ben, c'est parfait, t'es parfait. Bonjour Vincent. T'as trouvé? Bonjour Monique, j'ai trouvé. Bon, c'est pas difficile. Non. Quand on s'est compté jusqu'à 221, on y arrive. Ah bon? J'avais pas dit que je venais. Je pense qu'il y en a qui te l'ont dit avant, non? Bah, j'avais dit que Vincent... C'est vrai que je donne pas beaucoup de nouvelles, j'ai honte. Quand je vois les courriers que j'emmène, je devrais en donner plus. Oh, moi, je dis rien. Alors, c'est moins souvent, mais en vélo, c'est pas mal aussi. Oui, bah, c'est carrément bien, oui. Et t'as tout ce courrier-là dans ton sac? Ouais, tout est là. Tout est là. Et là, les courriers pour la Suisse. J'en ai quand même quelques-uns. Hein. Tu fais ça depuis combien d'années? C'est la troisième tournée. C'est ta troisième? Ouais. Mmh. Je le connais depuis qu'il est né. Bah ouais. Mmh. Sur la table. Ouais. The né sur une table. Hein? Né sur une table. Mmh. Ah, dans la cuisine. Ah ouais. J'ai jamais entendu ça. T'as jamais entendu raconter ça? Ouais. Dans l'appartement de l'école. Ah bon? À Poincé. À Poincé. Ouais. Ça va, t'es propre, Isabelle? Ça vaut bien les douches qu'on prenait chez grand-mère. Oh là là, en bas dans la cave? Oui, en bas dans la cave. Près de la baraque à cidre. Ouais. Ah, c'était folk, l'eau. Hein. C'était chacun son tour, et l'eau n'était pas changée à chaque fois. Hein. Non, non. Fallait mieux passer le premier. Ah, fallait mieux passer le premier, hein, ça c'est sûr. Après, il y a eu toute une période où après, quand tu as perdu ta maman, on s'est plus vu pendant au moins... Mais non, parce qu'en fait, on venait quelques jours tandis que vous passiez l'été là-bas. Oui, quand on était petit. Mais ouais. À moi, à partir de 12 ans, je suis plus venue passer des étés. Ta maman, je me sentais trop petite, même si j'étais très concernée, parce que c'était quand même ma marraine, quoi. Enfin, pour moi, t'as pas d'image, quoi. Non, je sais pas.
Je sais ce qu'on m'a dit après, voilà. Mmh. Mais moi-même, j'ai pas. Mmh. Parce que moi, j'ai une image qui traîne, qui est très forte, en fait. Mais l'image, c'est une lettre sur la table. Et après, j'ai plus jamais vu ma mère. Et je vois cette pièce, cette table ronde, tout ça, ce courrier. Et c'est tout, mais tu sais rien. Au moment où tu vois cette lettre, tu sais. Ah, mais à partir de là, tout est su. Enfin, tout est su. Ouais, tout. Enfin, tout est su avec ton. Avec l'âge que j'avais, mais. Quand tu la lis, tu prends tout de suite conscience que. Mais je sais pas si. Je sais pas si je l'ai lu. Je te rappelle pas. T'as 5-6 ans, t'es pas grand, mais je savais déjà lire. Je l'ai peut-être lu. Mais peut-être pas, je sais pas. Elle était pas très longue, j'aurais pu la lire. Et quelle conscience t'as après la première prise de conscience après, qu'est-ce que tu vois encore comme image à part cette lettre sur la table tu, je suis dans la cour de l'école. Et je suis dans la cour de l'école et puis je vais discuter, enfin je vais dire ça à mes copains. Mmh. Ma mère est morte, voilà. Je leur dis ça, je me rappelle bien que je leur dis ça. Ah oui. Alors, est-ce que tu penses que tout ça, ça a un lien avec ce que tu fais je aujourd'hui ou... Peut-être. Comme un sous-neuf. Avec un grand bout de désert après là, parce que pas beaucoup de courrier. C'est comme dit Obélix, plat, complètement plat. Vous êtes parti quand? Le 23 mai. Oh, oh non, non. On a encore pas les vaches. Ah, c'est bien. Je suis en retraite. Les Français, vous êtes à la retraite de bonheur. Hein. Moi, j'étais de bonheur. Ouais. On veut nous faire croire, faut toujours bosser, mais je me demande si c'est justifié. Moi, je ne sais pas. Ça, c'est français comme remarque. Ça, c'est français comme remarque. Moi, j'appelle ça des petits déjeuners. Si je veux choper les gens, c'est une façon de les choper, quoi. Bonjour. J'arrive de Bretagne en vélo. Qui êtes-vous? Je suis un messager, en fait.